Bonjour ou rebonjour la team. Je viens de vous tourner en fait l'ouverture du colis de Dory où il y a encore, vous voyez, les bonbons, les Nutella et tout. Du coup, j'ai rien descendu encore. Et là, comme je vous ai dit, j'allais faire l'ouverture des numéros 1 et du numéro 2 parce qu'on est le 2 aujourd'hui. Voilà. Alors, on va faire en premier ceux-là. Ceux de Sandra. Voilà. Donc, je vais faire d'abord les numéros 1 et après, on va faire les numéros 2. Alors, voilà, celui de Sandra se présente comme ceci. Voilà, alors pour moi c'est un album, on dirait, parce que là on a l'air d'avoir des anneaux sur le côté. J'ai la chienne, la pauvre, elle ne peut plus passer tellement qu'il y a du bazar par terre avec les cartons. Il faut que je vide les cartons et que je mette les paquets ailleurs. Alors, hop. Pas eu le temps de ranger, vous m'avez un peu passé. C'est le bazar. Alors, nous avons. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pour faire notre album. Ah, c'est top. Alors, en fait, c'est un album avec des gros anneaux comme ça. Et on a juste en fait à le décorer. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Il est super beau. J'adore les gros anneaux là. Franchement, il est juste trop beau quoi. Il est magnifique. Regardez. Il est super beau. Moi, c'est vraiment les gros anneaux là que j'adore vraiment. Et en plus, il est craft. Donc là, en fait. Hop, on va l'ouvrir et là on a les pages en craft, voilà, qu'on n'a plus qu'à décorer et à faire, faire notre album ou ce qu'on veut aussi. On peut l'utiliser aussi pour faire un mince, comment ça s'appelle? Un art journal ou des choses comme ça, vous savez. Il est super beau. Je te remercie beaucoup, Sandra. Il est magnifique. Et là, en fait, les papillons, on peut les coloriser. Enfin bon. On peut. Alors le mot colorisé, il existe, hein. Pour la personne qui m'avait dit en commentaire que ça n'existait pas, hein, j'ai cherché dans le dictionnaire et ça existe bien. Voilà. Ah non mais je vous dis, des fois il y a des commentaires, ils font rigoler quoi. Ensuite, nous avons donc le deuxième qui est fait par sa fille, qui est comme ceci. Je vous avais montré hier, il est juste énorme, avec marqué Scrap Suite. Alors, on va ouvrir le numéro 1 de celui-ci. Alors, si j'y arrive, parce que du coup, il y a la ficelle. Hop. Et en numéro 1, nous avons un rouleau de washi. Hop, j'essaie de le refermer correctement et de surtout pas l'abîmer. Oups là. Donc, le numéro 1, nous avons un super washi. Merry Christmas. Même pas, c'est un ruban. Je dis n'importe quoi. En fait, il a la taille d'un washi comme ça. Mais en fait, c'est un ruban. Merry Christmas. Il est super sympa. Ah, il est joli comme tout. J'adore. Il est vraiment très très beau. Ah non, mais si, c'est un ruban, mais autocollant. Bon, j'avais raison alors. C'est pas un washi, c'est pas un ruban. C'est un ruban autocollant. Bon, c'est un ruban autocollant. Vous voyez, il est super beau. Vous voyez rien. Allez, s'il te plaît. Voyez pas grand chose. Donc voilà pour le numéro 1 de Sandra. Franchement, merci beaucoup. Ça tue. Ensuite, tant que je l'ai sur moi, on va ouvrir le numéro 1 donc de ma petite Amélie. Quoi petite, je ne sais pas. Alors, ça va pas être pratique. Donc j'ai le numéro 1 qui est ici. Et le numéro 2, il va être. Oh, le numéro 2 est tout au fond là-bas. Mais je vais voir de l'autre côté. Donc, le numéro 1 d'Amélie qui se présente comme ceci. Donc, avec Amélie, c'était prévu qu'on se fasse, comme je vous disais, avec des petites boîtes. Alors, je vais essayer de pas abîmer les boîtes parce que si je veux les récupérer pour l'année prochaine. Nous avons... j'ai 20 euros. Alors, nous avons un billet de 20 euros comme ceci en chocolat. Voilà. Toi, t'as réussi à le faire passer.
Mais quand même, on peut y en mettre hein, dans ce gros carré quand même. Il y en contient. Et après, elle m'a mis des petits mots en bois. Ils sont vraiment trop, trop chouettes. Où il y a marqué Love. Et aujourd'hui, quand ça veut pas, je vais vous dire, ça veut pas. C'est pas la journée pour moi. Regardez. Franchement, ils sont super beaux. J'adore. Je te remercie beaucoup, Amélie. Ils sont magnifiques. Magnifique, magnifique. J'adore. Merci beaucoup. Hop. Ça, il faut que je trouve un endroit où les remettre. Après, quand j'ai fini, je vais essayer de trouver une boîte. Et ensuite, nous allons faire le numéro 1 de Dory tout de suite. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il faut que je mette au frigo. Donc, par contre, Dory, il va falloir que je garde à chaque fois, du coup, sa carte qu'elle m'a envoyée parce qu'il y a des petites énigmes. Alors, que la Normandie est belle. Ah, du beurre! Moi, je pensais du fromage. Ah, c'est peut-être du beurre. T'as été courageuse de m'envoyer du beurre, hein, si c'est ça. Mais en fait, t'as dit que t'aimais pas. Alors, c'est emballé. Alors, comme ça, dans une... Non, c'est du fromage. C'est du fromage. Ah, tu m'envoies du maroilles? Mais non. Alors, mais non. Elle m'a envoyé du fromage, mais non. Alors, c'est l'art d'aimer, voilà, comme ça. Donc, c'est une boîte, comme ceci. Donc, c'est le numéro 1. Et donc, si, elle l'a fait. Hein. Elle l'a fait. Putain, mais moi, je rêve. Alors, j'ai un petit pour l'évêque. C'est pas le même que je vois à la boutique. Et un Neufchâtel AOP. Donc, c'est pas exactement les mêmes. Mais voilà, c'est ce que je vends, moi, au magasin. Donc, du coup, à Grand Frais, où je travaille. Donc, je vends du Neufchâtel comme ça et du Pont-l'Évêque. Donc, c'est bien le Pont-l'Évêque qui. Ouais, que je sens depuis que j'ai ouvert le carton tout à l'heure. Tu me tues, quoi. C'est pour ça que tu me disais, j'aimais pas. T'aimes pas le fromage, voilà, c'est ça. T'as osé faire ça, quoi. Non, mais moi, j'hallucine. Toi, tu me fais triper. Eh bien, écoute, moi, je te remercie. Moi, j'adore le fromage, hein, dans tous les cas. Le Neufchâtel, j'aime bien. Après, le Pont-l'Évêque, c'est un peu plus fort en goût. Mais bon, mon copain, lui, il adore les fromages. Donc, du coup, t'inquiète pas, ça va être mangé. En tout cas, tu m'étonnes que tu voulais que ça arrive vite. Mais c'est ça, quand j'ai ouvert le carton, j'ai dit, mais il y a une odeur de fromage. Alors, je croyais que c'était Ishka, la chienne. Et j'ai dit, bon, peut-être qu'elle a lâché un petit truc. Mais non, non, c'était pas Ishka. Toi, tu me. Franchement, là. Je vais t'envoyer un message après. Entre le café et le fromage, j'ai de quoi faire. Ah, tu m'as tué. Tu m'as refaite. J'en avais bien besoin aujourd'hui. Je te remercie beaucoup en tout cas. Ensuite, on va passer au numéro 2 parce qu'aujourd'hui, bah, finalement, on est le 2 décembre et que j'ai un jour de retard par rapport au boulot, etc. 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 Donc là, numéro 2, bah, on va commencer par Amélie. Hein, on va faire chacun son tour. On va commencer par Amélie. Hop, donc du coup, je vais voir l'autre côté pour choper le 2 qui est de l'autre côté. Il sera plus proche. Voilà, alors le 23. Je ne sais pas encore. Et le numéro 2, donc, qui se présente comme ceci. Hop là. Je sens que je vais en faire une, moi. Donc, notre petite boîte numéro 2. On ouvre. Allez, c'est parti. Alors, nous avons. Oh, c'est ce que j'adore là. C'est ce, en fait, que je. Ah non, c'est les Milka. Mais oui, mais c'est les Milka, en fait. Même le rose. Alors, en fait, c'est ceux-là, là. Ils crépitent dans la bouche. Ils sont super bons. Merci. Déjà, merci pour le chocolat. Je les adore, ceux-là. C'est ce qu'elle m'avait mis dans le colis la dernière fois et que je vous disais, je croyais que j'avais un problème parce que j'avais des problèmes au niveau de. Mais non, en fait, c'est que ça crépite. Enfin, bref. Et avec, du coup, elle m'a mis trois petits pompons comme ça. Donc, gris, rouge et bleu. Ils sont super mignons. Ils sont jolis comme tout, ceux-là. Je ne les connais pas du tout. Ils sont sympas comme tout. Je te remercie énormément. Merci, merci. Ça sent le fromage, un truc de dingue, je me crois au boulot là. Merci Doré. Ensuite, vu que je l'avais sorti, donc là j'ai le numéro 2 du coup de Sandra. Et donc le numéro de Dory, j'espère que là j'ai pas dû.
Non, c'est pas le fromage, c'est pour ça que c'est un numéro 1. Et là, j'ai le numéro 2, donc 2 Dory. Tu m'as tué. Donc, le numéro 2 de Sandra se présente comme ceci, en tâtant. Alors, tout à l'heure, j'ai trouvé l'album. Hein. Alors, je sais pas. Alors, soit des petits papiers ou soit. Peut-être des sticky notes, mais là non, on a un truc un petit peu en relief, donc je ne sais pas. On va voir. Alors. J'étais pas loin. Non, c'est des tags. En fait, ce que je chantais, c'était ça, là, le petit nœud, en fait. Alors, j'ai des tags. Donc avec des pois, ouais. Alors on a plusieurs couleurs en fait. On a des rayés, des roses et tout ça comme ça. Ah, ça y est, tu veux zoomer? Voilà. Donc j'ai des petits tags comme ça. Ils sont super sympas. J'adore déjà le premier là, cette couleur-là, elle est super sympa. Et avec la petite ficelle, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et à l'intérieur, on en a 13. Je te remercie beaucoup. Je suis désolée. J'ai un coup de mou, j'ai un coup de barre aujourd'hui. Mercredi, de toute façon, mon jour de repos à chaque fois, c'est une catastrophe. Alors là, nous allons chercher le numéro 2 qui est juste en bas. Donc vous ne le voyez pas. Il est juste là avec le petit chapeau du Père Noël. Et donc du coup, nous allons ouvrir ça. Alors, par contre, je pense que le ruban, là, il faut que je l'enlève, non? Parce que si j'enlève pas le ruban, je peux pas ouvrir les boîtes. Il faut que j'enlève le ruban. Sinon, je peux pas ouvrir les boîtes. Oui, bah celui-là il est collé en fait. Je peux pas ouvrir la boîte. Alors, je veux pas tout éclater, mais il y a de la colle. Voilà. Alors, celui-là il serait pas ouvert. Hein. Oula. Alors, alors là, attention, attention. J'ai plein de petits tampons, voilà, comme ça. Attendez, parce que la boîte, elle est blindée. Je pense que c'est pour ça qu'il l'avait collée. Mais sur le thème de Noël. Non, attendez, je sors tout. Je vois, je vous dis attendez, attendez, mais en même temps, soit vous avancez la vidéo, ou soit, je sais pas, mais... Alors, attendez, j'allais dire encore. Hop là, j'enlève ça. Alors, nous avons plein de petits tampons mousse, un petit peu comme j'ai acheté la Rafo Action, mais là, c'est pas des actions, ceux-là. Hein, ça se voit. Et en fait, nous avons plein de petits... Voilà les feuillages, tout ça. Et sur le thème de Noël, donc on a la petite maison comme ça. On a le petit sapin. Ça, et ça foine. Je vous dis même pas comment ça pue le fromage. C'est un truc de dingue. Là, nous avons le petit renne. Après, nous avons un petit hou. Une pomme de pin, un petit sapin encore comme ça, une étoile comme ceci, et après une étoile comme cela. Voilà. Ben, je te remercie énormément. Donc je vais essayer de les caler, je sais pas, à un endroit où... Là j'ai une petite poche. Je vais les mettre dedans parce que je me connais. Je vais les perdre. Hop là, voilà, comme ça moi déjà ils seront tous ensemble. Et puis voilà, mais je te remercie beaucoup. En tout cas, ils sont vraiment super sympas. Et ça change un petit peu des tampons qu'on peut avoir habituellement en bois ou des tampons clear. Ensuite, nous avons le numéro 2 de Dorine. Donc là, bon, je pense pas que c'est du fromage.
Une chose promise est une chose due. Alors, tu m'avais promis quoi? Ah, je sais pas. Hein, qu'est-ce que tu m'as promis? Tu m'as. On se parle tellement depuis tellement longtemps que je ne sais pas du tout ce que tu m'as promis. Ah, non. Si. Non, je sais. Ah, franchement, je sais pas. Bon, on ouvre. J'adore ces pochettes là. J'ai pas pensé moi en prendre des petites pochettes. J'ai fait mes paquets tout le temps. Alors que j'aurais eu des petites pochettes comme ça aussi, ça aurait changé un petit peu. Ça aurait été sympa. Et bon, après, vu que ça avait fermé, on... Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Non, mais là, tu pouvais faire 1, 2, 3 et tu pouvais faire 5 paquets. Déjà. 5 paquets, tu pouvais faire. Ben, ça en fait pas qu'un, quoi. Alors, chose promise, chose due. C'est quoi que tu m'as promis? Oh, elles sont trop, trop belles. Moi, j'aimerais bien avoir ce magasin chez moi, là, Sostin Green. Ils font des trucs super beaux. Alors après, au niveau des tarifs, je ne sais pas combien c'est, mais ils font des trucs super beaux. Et là, franchement, les feuillages d'automne, ils sont juste trop, trop beaux, quoi. Magnifique, mais t'es malade. Là, regarde, là, t'avais un paquet cadeau. Là, t'avais deux paquets cadeaux. Même ce... Oh, ils sont trop, trop beaux. Mais c'est quoi que tu m'avais promis dedans? Regardez-moi ça, comme ils sont trop magnifiques. Là, ça faisait deux paquets cadeaux. T'es une folle. Ah, ça, j'adore. Les petits, vous voyez, les petites barrières comme ça, là. Elles sont magnifiques, j'adore. Vous voyez, ils font des trucs super beaux, ça, Steam Green. Moi, j'ai pas ça chez moi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non, ah non, ah oui. Oui, exact. Exact. Oui, parce que j'avais parlé des. Et franchement, il n'y en a plus. Hein. Enfin, moi, j'en trouve plus. Alors là, je voulais garder précieusement. Et j'en avais besoin pour Halloween. Malheureusement, Halloween, du coup, on a laissé en stand-by nos livres qu'on était en train de faire avec Elia. Enfin, ils sont presque finis. Mais il nous manquerait à faire un petit peu de patine dessus, etc. Bah, du coup, vu qu'Halloween a été annulé avec le confinement, bah, j'ai même pas pu vous montrer les livres qu'on avait fait. Et du coup, je cherchais justement des lettres en bois comme ça à action. Et eh bien, il n'y en a plus. Voilà, il n'y avait que des grosses et tout ça. Et moi, ça n'allait pas pour les livres que je voulais faire. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'avait dit, j'en ai si tu les veux et tout. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant que tu vois, tu me remets dans le bain, oui. Mais tu sais, un, ça suffisait. Il fallait que tu en gardes un pour toi au moins. Parce qu'en plus, maintenant, on ne les trouve plus. Donc, voilà quoi. Super, je te remercie beaucoup. Et là, nous avons des fleurs. En bois. Alors celle-ci, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps, je crois. Et moi, j'adore. De toute façon, j'adore mettre ces trucs. Oh, excusez-moi. C'est il y a des trucs en bois comme ça, j'en utilise beaucoup, que ce soit pour les cartes ou quoi. C'est vrai que j'adore en mettre partout. Ben, je te remercie énormément. Même ça, là, putain, t'es malade. Là, je te dis, tu voulais faire ouais, 4 paquets, quoi. Merci, merci les filles, merci énormément. Ça me fait super plaisir. Ouais, ça me fait super plaisir, ça me touche énormément. Bah déjà, voilà, les deux paquets, je suis pourri gâtée. J'ai à manger pour ce soir. Ah, franchement, là, tu m'as tué. Je vais t'envoyer un message là, tout de suite, mais là, tu m'as. Ouais, tu m'as refaite. J'en avais bien besoin. Donc, je remets la carte avec ton calendrier comme ça pour demain. Et ben, je vous remercie beaucoup les filles. Et ben, la team, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Que ben, là, ça vous aura... voilà, vous avez commencé à voir un petit peu ce que j'avais dans mes calendriers de l'avant. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Allez, bisous.